Et salut, c'est Will, on se retrouve en intro de vidéo du coup. Donc au moment où je te fais l'intro de vidéo, j'ai déjà tourné les games, j'ai déjà tourné même l'outro, tu vois, donc je fais l'intro à l'envers. Donc je te présente la team, on va partir avec Couleur, Gohan Beast et Tapion. Pourquoi ces trois-là? J'ai eu cette idée de team, je ne sais pas, comme je dis en outro de vidéo, je ne sais pas si la team a déjà été showcase ou pas, mais c'est une idée qui m'est venue en tête. Donc avec Kula, on aura du contrôle face à du SSJ, on aura de l'anti-cover sur le main, on aura des très gros dégâts. Avec Gohan Beast, je ne te le présente plus. T'as Tapion face, je ne te le présente pas aussi, vu toutes les showcases qu'on a déjà fait, toutes les vidéos qui se trouvent sur internet. Enfin bref, tu te doutes que ce sont des cartes qui seront... Très forte dans cette composition. Alors, nos deux stars sont boostés par une cape Zenkai et avec Pan qui se retrouve en fin de slot pour booster les PV de la team. Sachant que si tu n'as pas eu Pan mais que tu n'as eu que Gohan, tu peux jouer la même team mais avec Gokua par exemple. Avec Gokua en dernier slot qui va booster les PV de la team tout autant que Pan. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé jouer la team. Tu le verras dans le showcase, ça va très vite. Ça va très vite. Et tu vois le classement. Bon, là, je suis pas en mode tryhard, mais ça s'est classé super facilement. 3 games à la suite. Donc, franchement, voilà. Je te spoil pas plus. Je te laisse regarder la vidéo. Amuse-toi bien. Comme d'habitude, n'hésite pas à poster tes idées de showcase, tes idées de team ou autre. Et en tout cas, je te souhaite de kiffer la vidéo. Et on se retrouve en outro. A tout à l'heure. Et pour cette première game, on se retrouve face à une SSJ. Alors, ne me demande pas pourquoi. Première game que je lançais, Kula, SSJ. Let's go. Let's go. Alors là, franchement, on a deux gros monstres dans la team. Gohan, Beast, Kula, ça va être l'occasion de voir la synergie. On va tester ça ensemble, hein, comme d'habitude. Bref. Bref. Pour le coup, on peut laisser Tapion. Tranquille. Tranquille, on va pas le laisser trop longtemps non plus. Et on se mange le petit perfect et c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Non. Alors on met Gohan Beast. Ah ouais, non mais là laisse tomber le jeu. Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? Bon. Donc la team encaisse pas mal quand même, malgré que ça soit une SSJ en face. Hein. Et... Ah, tu connais la suite, hein. Tu connais la suite. Tu connais. Et c'est parti. C'était sûr. Alors on a encore la nullification du type, ouais. Au cas où si que je t'en revenais, mais bon. Réduction de temps d'attente, hein. Tu connais, longue animation en face, il a très mal choisi son aspect. Et tu sais quoi, let's go. Strike ultime, donc soit il remet Badak, soit peut-être Gogeta meurt. Bon, il a remis Badak. Donc là, faudra faire très attention, on va être locké par Gogeta. Ah, maintenant il meurt même pas, purée. Bah super. On peut faire ça. On a toujours notre TP. Et bah là il nous sert la game par contre. là il nous sert la game. Mais très intéressant, super cool. Ok, donc là dispel plus anti-cover en face. Mais en tout cas pour une première game, bon, on a un tueur d'SSJ, donc logique que ça se passe très bien. Mais on a quand même pu voir la synergie de la team. Hein. Quand même. Je pense que, alors moi de mon côté, j'ai un item pur Saga des films qui est très bien monté, mais pas tous encore. Bon, je pense qu'il va pas laisser le LF, hein, mais s'il pouvait y avoir un LF. Mais je pense que cette team-là aussi, elle peut être super cool avec des items très bien optimisés. Mais en tout cas, pour une première game face à une SSJ, ça s'est très bien passé, donc on passe à la suivante. Let's go! Et on part pour une nouvelle game face à une team fusion avec Pan en leader, mais on a Gogeta Ultra en face, donc ce qui tombe très bien pour notre couleur. Et let's go, c'est parti. Et non, immunisé. Bon. Et non. Ah! Zout! Tu flottes? On va venir le chercher du coup.
Et tu connais couleur. 2 strikes P, let's go. Bon, il tuera pas, mais on va lui mettre de sérieux, sérieux dégâts. Et c'est là que ça va être intéressant. Non, je pensais qu'il allait tenter quelque chose avec Gogeta du coup. Mais non. Donc franchement, tu vois... tu vois la synergie de la team. Bon, là, là c'est carrément couleur qui a fait le gros du taf sur le début. Hein. On est d'accord. Mais... C'est quoi? On va RR. On va pas se prier. C'est une mécanique du... Voilà, la team, elle est dangereuse. La team, elle est dangereuse, dangereuse, dangereuse. On se retrouve pour une dernière game. Et on se retrouve pour la dernière game, du coup, face à une Red Red Blue. Donc, c'est-à-dire Migaté, Trio Cyborg et Gohan en face. Donc là, Kula, il va être un peu, enfin un peu, beaucoup moins impactant, du coup, du fait qu'il n'y ait pas de SSJ en face. Mais ça n'empêche pas que qu'il reste très bon. Donc, let's go. Et c'est parti. Là, le Gohan en face, il a plus de... enfin, il est presque plus de cartes. Il a la vitesse de pioche. Et... verte, toujours aussi forte. Hein. Par contre, il a utilisé sa verte assez tôt, je trouve. Hein. Wow. C'était pas fair, hein, ça. Hein. Donc là, nous, on récupère la nôtre. Est-ce qu'il a lancé des Kikoa? Non. Et... purée, à cause des lags, j'ai pas pu faire le break comme je voulais, mais... Purée, les dégâts qu'on a eu en face, what? Bon, tu me diras que c'est Migaté, logique, mais... ça ne passe pas, monsieur. Ça ne passe pas. Ah purée, trop tard. Ah non, il a récupéré sa TP. Donc là, il a bien utilisé la verte du coup. Enfin, il a bien utilisé la verte. Bon. Vous savez quoi? On y va et on en prend un. Est-ce que le duo meurt dessus? On a fait le main de Tapion, on a l'augmentation de dégâts, etc. Est-ce que c'était une question à poser? Non. Let's go. Bon ben, c'est gagné. Hein. C'est gagné. Mais en tout cas, on voit on voit la puissance de la team, ça, c'est insane. Et ça va, Kula, il prend pas cher quand même. Hein. Alors, j'ai pas réellement vu comment il était optimisé le Gohan en face. Mais quand même, on voit que Kula tank assez bien. Enfin, tank assez bien, tank très bien quand même. Donc, très intéressant. Assez cool. On va finir sur l'aspect du Gohan Beast. Donc franchement, 3 games qui se sont très bien passées, en plus 3 games record à la suite, c'est-à-dire donc très cool ça, j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, 3 games record à la suite. Donc on se retrouve de suite en outre de vidéo. Donc franchement, la team là encore, elle tourne super bien. T'as vu les mécaniques, Tapion, il supporte, il va sceller les cartes quand tu te mets en cover. Enfin voilà, il a l'anti-cover lui aussi. Couleur que s'il y a un SSJ en face, il te le détruit. Même quand il n'y a pas de SSJ en face, on l'a vu face à Gohan Beast en face, il a très bien tanké. Franchement, il a très bien tanké. Donc très bonne team, très bonne découverte pour ma part. J'ai pas encore maté tous les showcases de tous les youtubeurs. Donc on ira voir ça après. Donc je sais pas si cette team a déjà été showcase ou pas, mais en tout cas très bonne alternative si par exemple vous avez eu que Gohan Beast mais vous avez les précédents personnages, vous l'avez vu, ça joue très bien. Et à la place de Pan, bah, tu peux mettre Gokua ou autre pour booster les PV de la team, hein, bien entendu. Donc franchement, très bonne team. Ça se marie super bien, ça s'allie super bien. T'as du dégât, t'as du contrôle, t'as de la cover. T'as de l'anti-cover, t'as 3 anti-cover. Donc ce qui peut s'avérer super utile. Donc franchement, insane.
insane, insane. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à laisser ton commentaire comme j'ai d'habitude. N'hésite pas à laisser une idée de team si t'as envie que je showcase une team, que je montre une team ou autre. N'hésite pas, on est là pour kiffer, on est là pour s'amuser. Et je te remercie en tout cas d'avoir visionné la vidéo encore une fois. Et on se retrouve très très bientôt. Tchuss.